Moi qui avais hâte de changer de biome et qui était content d'être arrivé dans le désert, bah croyez-moi que j'ai qu'une envie là, c'est de me barrer d'ici. Donc salut à tous, c'est Alex, bienvenue pour une quatrième vidéo sur Icarus. Je pensais pas faire une aventure dessus et je pense pas que ça soit... on est déjà au quatrième épisode. Mais ouais, comme je vous l'ai dit sur la chaîne principale, c'est vrai que je suis devenu un peu accro. Il y a des choses par contre qui commencent à me refroidir légèrement, mais je pense qu'on aura le temps d'en parler un peu. Déjà, vous le voyez, nous sommes sur un autre biome, le biome désert. Et... c'est une vraie galère, j'en peux plus, ça fait peut-être plus d'une heure que je suis apparu dessus et je fais que de mourir, c'est un vrai cauchemar. Le problème, c'est pas que les monstres ils soient à un niveau beaucoup plus élevé que le mien, le problème c'est qu'ils arrivent par 500 sur moi et je vais désactiver le feu et bon, j'ai vite fait cet abri parce que j'en pouvais plus, mais c'est des hyènes et des hyènes et des hyènes, plein de hyènes qui arrivent, avec des cougars, il y a tout en fait. Et il y en a, dès que vous tuez une hyène, je sais qu'il y a un truc, un système, c'est que si vous laissez un cadavre au sol, ça va attirer les autres ennemis, les autres animaux. Mais là, et en plus de ça, regardez, chercher de la fibre, il n'y a presque pas de fibre, il y a une source d'eau à côté, je m'empoisonne avec, il n'y a presque pas d'arbres, c'est compliqué. Et même la mission pour venir ici, c'est une mission, en gros, il faut, c'est le biome forêt, on rentre dans une grotte, et il faut alimenter avec un panneau solaire, un truc avec un câble que vous mettez, où c'était une vraie galère parce que vous êtes dans une grotte, vous voyez que dalle dans la grotte, et vous déployez un câble que vous galérez à mettre, et en plus de ça, bah, enfin voilà, c'était horrible, et après je suis arrivé ici, et voilà. Et par contre, il y a des zèbres. C'est tout mignon, les zèbres. Et le truc avec les zèbres, je suis pas un spécialiste des zèbres, mais est-ce que ça fait le même son qu'un cheval? Est-ce que ça fait... Non, non, par contre, non, avant, il m'attaquait pas, là. Vous m'avez... Non, ils sont en danger, je crois. Normalement, ils sont gentils. Le jeu a quelques ralentissements, je pense, ça charge la zone. Normalement, t'es gentil, il m'attaque pas. L'éléphant, non, c'est un mammouth, vu qu'il a des grandes cornes. Non, c'est un éléphant. C'est des défenses quoi, je suis paumé, j'en peux plus. Non, j'ai bu trop de café aussi, c'est pas que j'en peux plus, mais... Et en fait, j'avais enregistré l'épisode juste avant, et j'étais allé sur mon cadavre pour récupérer, et voilà, il y a une autre hyène qui a apparu, je devrais viser plus haut pour avoir la tête. Non, je suis gentil, je suis ton pote. Oh non, il y a les facochères aussi, et je suis mort plusieurs fois, et je me suis fait, attends, on va recommencer, j'ai réussi à ramener sur mon corps, j'ai fait un lit pour dormir. Et il me faut vraiment beaucoup de... J'aimerais me faire une tenue aussi, voilà, pour être un peu plus... En plus, il y a des intempéries, tout à l'heure, il faisait moins 3 degrés, après, il se met à faire 45 degrés, mon personnage a trop chaud. C'est une galère. Et oui, j'ai une nouvelle tenue, une nouvelle combinaison, je sais pas si ça se verra, elle est là. Normalement, j'ai des trucs en plus. Voilà, j'ai des trucs en plus. Bon, j'aimerais bien aller là-bas, parce qu'en fait, ça, c'est un peu le souci du jeu, c'est que les missions sont un peu toujours les mêmes. Maintenant, il faut que j'aille à un endroit, je scanne. Après que j'ai scanné, il faut que je reparte sur chez moi, et après, je reviens pour refaire un autre truc, et voilà. Les cougars, par contre, eux, ils sont tout pourris. Vous mettez un coup dans la tête, ils meurent. Encore faut-il viser ma tête. Ça va, il m'a pas posé de soucis, de blessure, parce qu'après... Il faut faire des bandages, et les bandages, il faut de la fibre, et il faut 40 fibres, et vu qu'il y a presque pas de fibres, et bah c'est chaud. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donne-moi ça, je prends tes ossements et je vais essayer d'aller là-bas, mais voilà, le facochère, je pense qu'il a été attiré par les carcasses. Oh, il a mangé, regardez. Il a mangé la chair. Ah, j'ai plus d'endurance. Donc, je vais tenter de passer, mais j'espère qu'il va pas m'attaquer. Donc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. J'avais hâte en même temps de vous montrer un autre biome. J'étais content. Je fais, vas-y, je vais montrer un autre biome. Ça va être de la bombe. C'est cool. Ça change. Mais c'est pas facile. Et j'ai découvert un autre moyen de chasse aussi. Je savais pas que quand on blessait un animal, un peu comme dans The Hunter, et ben vous avez un système de traçage avec les taches de sang au sol. Ça, je le savais pas du tout. Et c'était un peu une surprise. Eh, les cactus, je peux faire un truc avec ou pas? Ah ouais. Exploiter pour obtenir des ressources. Mais les cougars, vous êtes pourris, voilà. Un coup, t'es mort, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas faire le malin parce que je vais bientôt crever. Si j'ai assez... de fibres, j'aimerais bien me confectionner peut-être quelques petits vêtements. Et oui, vous avez vu, je sais même plus ce que je fais. Vous avez vu en haut à gauche, j'ai des points que j'aimerais attribuer. Il faudrait que j'aille dans un endroit. Ah non, j'ai pas tout équipé. Il faudrait que j'aille dans un endroit sûr et je les mettrai. Ça pourrait être intéressant que je les mette. Et je pense que ça doit en titiller certains d'entre vous de voir des points. Oh non, il y a des points en haut et que je les attribue pas. C'est un peu idiot. Je le sais et je suis d'accord. Mais en fait, je voulais.
Je voulais attendre de voir comment était le monde, si je devais faire des tenues spécifiques ou pas, anti-froid, anti-chaleur. Qu'est-ce qu'il a? Alors je me fasse d'autres roses. Oh ça va, heureusement elles sont pas très malines là. Non. Non. Non, non, mais j'en ai marre de me faire attaquer de partout. Il faut que j'aille où? Je veux pas crever. Mais toi tu vas aussi mourir, t'as pas de chance mon pote. Regardez mon XP en haut, je fais que de la perdre. J'étais à ça du niveau 15 et après c'est reparti. Vite, faut que je fasse des flèches. Des flèches, vite des flèches, je m'en fous. Fais-moi un maximum de flèches. Non. Dégage noob. Je pensais que t'étais mort, mais t'es pas mort, espèce de sombre de bouse. Là, c'est de la vraie survie. Hein. Là, c'est quoi? Tu es 50, ouais. Non, je fais ça, hop, parce que là, il me faut ses ossements pour... Oh non, il m'a blessé. Oh non, bah voilà, je vais... Oh non, je me fais encore attaquer. Dégage ta maman. Ta maman, la hyène, mon gars. Ça m'utilise tous mes bandages, toutes les fibres que je ramasse, là. Ça me donne quoi, en fait, moissonner, ça me donne... Ah, de la sève d'arbre. Ok, je sais pas quoi ça va me servir encore. Ouais, moi, en fait, il faut que j'aille ici, et après, il faudra que j'aille... j'ai mis un point... Il faudra que j'aille tout là-haut, faire deux autres trucs, quoi. C'est pour ça, ma maison, je suis dégoûté de l'avoir fait dès le début. J'aurais aimé la faire vers le là-haut, quoi. Enfin, c'est un début de maison. Et oui, il y a d'autres missions dans le jeu. C'est une early access, c'est pas mal pour le moment, même si là, le désert, ça m'a un peu rebuté. Le truc aussi de la mission d'avant pour aller dans le désert. Ouh, ça a pas chargé là-bas. Ou c'est genre, je suis dans une grotte. C'était cool, le truc de mettre des câbles. Mais tu vois rien dans les grottes. Ah, il y a un truc aussi que je vous ai pas montré. Les torches, en fait, quand elles sont allumées, vous les faites drop par terre et ça éclaire un petit peu. Mais vraiment un tout petit... Ouh là, ça frise un peu. Ça vous éclaire un peu. Mais vu que c'était une grotte avec de l'eau, et bah, vous imaginez, et bah, on voit rien, quoi. Bon, c'est où? Coucou, toi. Bah, moi qui aime bien jouer sur l'interface, là, c'est un peu hard. Donc ouais, je sais pas s'il y aura beaucoup d'autres vidéos dessus. Pour le moment, j'avais vraiment envie de vous montrer ce biome. Et si, je pense qu'il y en aura d'autres, on avancera tranquillement. Je vous en ferai de temps en temps, quand il y aura une nouvelle planète, des trucs, des mises à jour aussi, vu que là, il vient juste d'arriver, donc forcément, il va y avoir du contenu qui va... en surpoids là, non, qui arrivera ensuite. Voilà, je vais tout consommer. Il y a des trucs qu'il faudrait que je jette aussi quand même. Et là on y arrive ou pas? Ah, attendez, je regarde pas au bon endroit. On n'est pas loin. C'est dommage, quand on enlève l'interface comme ça, c'est que je peux plus mettre la carte et je peux pas regarder mon inventaire. Ça l'ouvre mais je le vois pas. Ça aurait pu être bien de jouer sans l'interface mais également de pouvoir l'ouvrir. Mais ça, peut-être dans les options, en appuyant sur échappe, peut-être qu'on peut désactiver certains éléments de l'interface. Par contre, si c'est Yen en face, je vais la buter avant qu'elle arrive sur moi. C'était pas une Yen, mais il est mort. Il faut vite que je le bute avant que ça aggro tout le monde. Pas aggro tout le monde. Il est quelle heure? 10h. Ouais, j'ai quelques ralentissements. En même temps, j'ai pas redémarré mon ordi depuis pas mal de temps. Et ça frisait pas comme ça tout à l'heure. C'est parce que là, j'ai fait des montages, j'ai joué à d'autres jeux, j'ai fait d'autres trucs. Je dois avoir des ressources qui sont prises ailleurs. Je pense que c'est ça. Et après, vu que je découvre une nouvelle zone, peut-être le temps que ça charge, j'en sais rien. Mais c'est pas... Là, c'est vraiment pas fluide du tout, par contre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai de la place sur mon disque dur? Ou alors... Ouh, ça ressemble au décor de Conan. Attendez, vous voulez que j'aille où? Oh non, vous voulez vraiment que je descende? C'est peut-être pour ça que c'est pas fluide, c'est l'environnement, là, je sais pas. On va faire vite ça et après on va se casser. Comment je peux... Ok, je suis mal barré. Il faudrait que je fasse le grand tour, je pense. Mince. Je sais pas si je prends des dégâts en sautant dans l'eau. Attendez, il faut que je choisisse la meilleure option pour moi. Je pense que la meilleure option... Yo! Je me suis fait un peu de dégâts, mais ça va. Je pense que c'était peut-être une des meilleures options. Espérons qu'il y ait d'autres paliers. Ouais, je peux passer par là. Et aussi, maintenant, je peux faire du fer, je peux faire fondre des trucs, d'autres équipements. Donc ça, c'est cool, mais il faudrait que j'aille dans des grottes. Mais là, j'ai pas vu de grotte pour le moment en étant ici. Bon, elle est où la capsule, là? Elle est où la capsule? Imaginez, elle était en haut. Attendez. Oh non, vous êtes pas sérieux, elle est en face. Elle est en haut.
Je crois que j'ai pas fini de galérer. Si je croise une petite mine, je dirais pas non pour du meilleur équipement. Là, attendez, il y a de la fibre, ça, je vais le prendre. Non, je vais prendre vraiment la fibre pour me faire des tenues, je serais peut-être un peu mieux. Mais je crois que c'est des tenues de chaleur, ça, non? Physique, résistance au froid, résistance chaleur. Ah, nickel. Ah, mais j'en ai tellement peu, voilà, je peux rien faire. Les bandages me prennent tellement de ressources. Est-ce que l'eau, elle est bonne ici? Ouais, nickel, ça fait du bien. Et cette source d'eau, peut-être, ah, si je la suivais, regardez. Je pourrais revenir là-bas, mais du coup, ma maison qui est ici, bah, tant pis pour ma maison, je referai une autre. Après tout, elle était rapide, j'ai juste fait 4, 6 murs et toi et tout ça. Quoi. Voilà en gros ce que je suis en train de vivre. C'est un animal, ça? Qui dort? Ah, c'était une hyène. Oh, elle faisait dodo, la hyène. Tiens, ça, c'est pour tout ce que tu m'as fait subir, vilain, la hyène. De me gonfler, bah tiens, on va laisser ton corps là. Comme ça, tu vas aggro tes potes. Et pour l'instant là, moi je me barre de là, il faut que je trouve un moyen de monter maintenant. Ouais, vous m'excuserez juste pour la fluidité du coup, là j'y peux pas grand chose. C'est étonnant que l'environnement soit moins optimisé, moins fluide que la forêt, parce que là il y a moins de trucs à afficher. Après c'est des corps un peu plus vastes, plus grands peut-être, je sais pas. Ou alors ça vient peut-être de mon ordinateur, comme je vous l'ai dit, que j'ai pas redémarré depuis pas mal de temps. J'aime pas ces sons. Mince, je récupère la fibre, moi, mec, il y a déjà tellement peu de fibre, alors si en plus je la prends pas, j'arrive même pas à viser. Non, ça j'en ai pas besoin, moi il faudrait que je trouve une petite mine là pour faire du... miner du fer, mais non, je suis obligé de faire un grand tour de fou, là. Non. Je sais pas pourquoi je me rajoute des difficultés déjà là. Ou alors si elle me grille pas. Oh oh. Vous avez vu l'orage là-bas? Oui, c'est bon, elle m'a pas grillé. Mais eux, ils ont l'air gentils de base. Faut pas trop les embêter. C'est un éléphant. Putain, il est musclé. T'es musclé l'éléphant. L'éléphant, je vais passer là-dessus. Si ça peut me protéger un peu. Mais vous avez vu le chemin? Un facochère, une hyène là, il y a deux autres hyènes ici. C'est quoi ça? C'est quoi comme minerai? Ah, silice. Je sais plus ce que ça fait la silice déjà. Oh putain, j'ai trop de trucs sur moi. Est-ce que je peux consommer ça? Ouais, voilà. La sève d'arbre, je sais pas à quoi ça va me servir pour le moment. La viande avariée, on va jeter. Je vais manger un petit bout. Couteau, j'ai déjà. Ouais, parce que vous voyez, j'ai plein d'équipements. En plusieurs fois, c'est normal. Je suis mort plein de fois. Donc la lance, tu dégages aussi. C'est bon au niveau du poids. Ouais, au niveau du poids, là, j'ai vite été en difficulté de poids, par contre. Allez, mon gars. On va juste se récupérer l'élément qui est là-bas. Et après, on verra. On va improviser. C'est quoi, ça? C'est un facochère. Ah, mais il a la tête de travers. Attendez, j'ai un truc dans l'œil en même temps. C'est bon, il avait un problème. Il avait un torticolis, le machin. Coucou la hyène, t'as l'air toute mignonne comme ça, mais t'es super super relou. J'ai un truc dans l'œil, ça doit se voir, non? Je dois avoir l'œil bien rouge. Elle fait un peu un son de petit singe, non? Un petit singe tout mignon alors que t'es horrible. Attends, j'ai envie de monter. Je sais pas si je peux dompter les zèbres et m'en servir comme monture, je pense pas. Ah voilà, il est là. Ah ouais, mais... Oh non, j'ai compris. J'ai compris un truc. Est-ce que j'ai assez de bois? Comment je peux faire? Ça, j'ai jamais crafté ça. Je vais essayer de le faire. M'attaquez pas, s'il vous plaît, je suis gentil. I'm friendly. Si je fais ça et je fais ça. Je vais tester parce que si c'est encore comme l'autre mission qu'on avait fait en vidéo ensemble, où genre je me fais attaquer dès que je mets le scan. Je vais mettre ça comme ça. Est-ce que je fais pas une petite porte? Ouais, non, je pense que ça devrait suffire, ça, pour les stopper un peu. Ou alors, j'ai une idée. J'ai une idée, c'est vraiment de l'improvisation. Pas max, non. Ça, flèche, j'en ai que 8, c'est pas ouf. 8, non, pas là-dedans, j'ai dit. On va faire max, par contre, de ça. 30, peut-être pas 30, je vais peut-être garder certains éléments. On va faire ça. Vous êtes prêts ou pas?
Faut que j'équipe juste le mur là. Je pose ce machin. Je recours. Ça serait peut-être plus intelligent que je tue d'abord le... Ah, mais si je le tue, l'éléphant, il va péter un câble. Il va détruire toute ma maison. Et je crois que c'est mieux de les tuer en étant incognito. Je récupère plus d'XP. Là encore. Il a... Non, il est juste là. Ah si. Souhaitez-moi bonne chance. Il va me raconter sa vie, mais je m'en fous. Il a rien dit, on est d'accord. Activé. Mais je l'ai activé. J'ai appuyé sur F, il y avait marqué F, j'ai appuyé. C'est pour ça que je suis attendu à côté, espèce de naze. Voilà. Et là, normalement, ils vont arriver. Est-ce que je le mets en bas ou en haut? Je pourrais presque faire un mur avec une porte. Attendez. On verra après. Voilà, je m'en fous. La hyène, vous avez vu, elle est en train de venir manger. Voilà, je te bute. Non, non, l'éléphant. Stop l'éléphant. I'm friendly. Il a l'air d'être buggy, là. Mais l'éléphant, je vais gaspiller toutes mes flèches sur toi. Oh non, il y a... Oh non... Mais dégage! C'est lui qu'il faut que je bute, non! Il est mort, niveau supérieur. Je dois le réactiver. Oh, il l'a désactivé. Non mais vous avez le nombre de flèches que j'ai utilisées? Non mais je crois qu'il y a un bruit à ma gauche aussi. Je vais plus avoir deux flèches bientôt, mais dégage le cougar! Oh non, je suis descendu, mon propre toit perché! Mais crève! Non! Ma maison! Ça peut faire pas mal de dégâts. Mais vas-y! Ok, ça a servi à rien. J'ai pas d'endurance aussi! Allez, recharge ton endu! Et ça, faut que je les bute parce qu'il y a des hyènes qui vont arriver aussi, punaise! Et pourquoi je peux pas... Ah, c'est pas ce couteau-là, il faut un couteau plus gros. C'est pas le bon couteau pour faire ça. Je suis à fond dans mon truc. Ouais, donnez-moi ça si vous voulez. Il me faut des flèches. Ils sont où? Lui, il doit avoir un max de flèches, non, sur lui. Ils sont où toutes mes flèches? Moi, je veux juste mes flèches, les mecs. Il faut que je le réactive, en plus. Oh. Ah, mais j'ai encore un autre mur. Comment ça se fait que j'ai un autre mur? Non. Je peux rentrer comme ça? Attendez, j'ai une idée. Ouais, non, je sais pas si ça marche. Je vais me faire d'autres escaliers, si je peux. Et de toute manière, je risque de crever très vite. Faut juste tenir encore un petit peu, je pense. Pourquoi je peux pas le mettre là? Je veux le mettre qui part de... Mais... Compliqué ou quoi? Vas-y, je vais faire un truc. Quoique, je vais économiser. Ouais, je sais plus. En vrai, là, je suis trop en panique. Je peux faire d'autres flèches parce que là, j'en ai tellement consommé. Il m'en reste que 12. Je peux en faire combien de ça? On va en faire une dizaine, comme ça, si j'ai... Non, 10, j'ai dit. Je me suis ouvert la touche. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer quelques ossements. Et ouais, j'ai pas le bon couteau en plus, là je peux pas faire l'autre. Hein. On est d'accord. Oh non, en plus il y a une tempête maintenant. C'est quoi comme tempête? Tempête en approche, trouvez-vous un abri pour vous protéger. Voilà, je vais perdre de la vie en plus de ça. Réfléchis un peu mec, réfléchis. Est-ce que je peux pas me faire moi-même un abri? Bah non, j'ai plus de bois. Vas-y, je m'en fous, je l'active. Et normalement, il devrait... Ah, mais je crois qu'il faut que je le récupère après. 78%. Ça peut être considéré comme un abri. Le truc, c'est que vous voyez, j'ai aucun arbre. J'ai que dalle. Hein. Ah, là, il va faire trop chaud. C'est bon? Je récupère la station et on se barre. On se barre. Je vais longer l'eau, tant pis pour mon abri à moi. Oui, donne-le-moi vite. Je vais croiser les doigts pour que je puisse descendre quelque part par là. Est-ce que je peux descendre? Non, il n'y a pas l'air d'avoir moyen de descendre. Ah non, mais là, je vais me péter les... Je me suis pété un os.
Vous profitez une jambe cassée suite à la chute d'une chute, vous pouvez vous déplacer. Ouais, mais je crois que je peux même pas faire de. Ouais, et mon jeu il a. Oh, putain. Même moi je suis à 2 images/s. Hello. Non, c'est bon, je suis plus en diapositive. Ah non, mais je peux plus me déplacer. Ah, je suis en sur. On va s'arrêter là, j'en peux plus. Je vais faire échappe, je vais redémarrer mon ordinateur, je vais reprendre cette game ici. Mais le truc qu'il faudrait vraiment, c'est que moi j'arrive à mourir en bas, comme ça je pourrais revenir chercher mon équipement. J'espère que ça vous aura plu. C'était moi qui survivais dans le désert.